J'espère que vous avez bien compris pourquoi. Yes. Jean-Philippe Manœuvre. J'adore. Le jeu de la devinette. J'espère que vous avez bien compris pourquoi Jean-Philippe Manœuvre. Audrey Dana était notre invité et il faut aller la voir. Putain, Nagui, t'as du mal à dire mon nom. Ouais, du mal, avec mon cousin Philippe, mes Ray-Ban et mon Perfecto, je suis peut-être le plus vieil ado du monde ou même de l'univers. Mais bien que j'ai toujours écouté AC/DC ou Metallica, les oreilles collées à mes amplis, je suis pas encore devenu complètement sourdingue. Et donc, Nagui, avant l'émission, je t'ai entendu papoter avec Leïla, tu lui disais « Dis donc, meuf, j'ai rien compris du tout à un docile qu'on peut pas mettre dans une boîte, comme elle disait à l'instant. Entre les 14 personnages incarnés par Audrey Dana, je suis complètement paumé. Alors je compte sur toi, Leïla, pour l'interview, sinon tu perds ton poste à France 2, la nationalité française et je te coupe ta frange !» Ce à quoi Leïla a répondu. Elle a réagi, mais super bien. T'inquiète pas, Nagui, qu'elle a dit « Les topoïs de ce show, misère sociale, cancer, drogue, pédophilie, harcèlement moral et sexuel, enfants livrés à eux-mêmes, sans parler de l'éthos de tous les personnages. Ouais. J'en fais mon affaire car ça touche grave mon ressenti. » Donc Nagui, quand tu me demandais si je sais pourquoi on reçoit Audrey Dana, ça me fout vraiment les boules. Big balls. Pour ma part, Audrey, dans ton One Woman, il y a une meuf qui m'a complètement scotché, completely scotched. C'est ta batteuse, Lucie Antunes, dont on parlait à l'instant, putain, quand elle frotte ses cymbales avec un archet de violon, quand elle caresse les peaux des percus avec des aiguilles à tricoter, ça me fout les poils. Tous ces trucs géniaux à Lucie, ça me fait penser à ceux de Rick Allen, le batteur de Def Leppard, qui est après devenu manchot le 31 décembre 1984 dans un accident de bagnole, bloody car crash. C'était confectionner une batterie pour pouvoir jouer sur la caisse claire avec son pied. À côté de Lucie, les plus grands batteurs comme John Bonham, le drummer de Led Zepp, m'ont étouffé dans son vomi le 24 septembre 1980, ou Kiss Moon, décédé le 7 septembre 1978 avec 32 pilules anti-alcoolisme, pire que Daniel Morin dans le coco. Comparé à Lucie, c'était des joueurs de tambourin. Voilà Audrey, un dernier truc, comme avec sa batterie, Lucie incarne et souligne tes émotions et celles de tes personnage, je me dis que dans ta tête ça doit aussi y aller les décibels, alors m'en veux pas si je pense que tu vas être complètement frappé, fracassé. Courage les kids, bonne émission. Merci Albert Algo. La bande originale, Nagui sur France Inter.